Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent que je fais avec Emma de la chaîne Emma US Life. Et c'est le cadeau numéro 19. Emma, j'ai vu ta vidéo du jour 19. Ça m'a bien fait sourire parce que quand j'avais... je me souvenais plus c'était quel cadeau. Et quand j'ai vu que c'était, qu'est-ce que c'était, j'ai fait « Ah, comme ce que Olivia et Lily t'ont offert !» Mais j'étais sûre que ça allait te plaire. Alors, moi j'ouvre comme ça, je vous montre pas, n'importe quoi. J'ai pioché ce petit cadeau. Donc c'est un tube, j'imagine c'est un tube de crème ou un gel douche crème en format voyage. Ça peut être sympa. Les formats voyage, j'aime bien, ça me permet de découvrir des nouveaux produits. Surtout pour les gels douche, vu que j'ai une peau sensible et que j'ai différents gels douche à la maison que je ne peux plus me servir parce que ils me grattent. Donc ça serait cool si c'est... Alors, exfoliant. Pollen et ricin de la marque Apicia. C'est un exfoliant visage. 100% du total est d'origine naturelle. Alors, j'imagine que c'est à base de miel parce que bon... enfin, il y a du pollen, donc tout ce qui est fleurs, mais il y a peut-être du miel. Et c'est un format, un bon format, je sais, j'arrive pas à trouver de la contenance, mais c'est un bon format. C'est un format assez classique, hein, et on va voir l'odeur, parce que... Ça sent les fleurs, chez, forcément il y a du pollen, mais ça sent les fleurs. Donc c'est du... Ils mettent... Alors ils mettent pas le pollen de quoi, mais bon, peu importe. Alors, je vais regarder le petit, le grain du produit. Ah ouais, vous montrer un petit peu. Oh, c'est... Bon, évidemment, moi, ma générosité, j'en ai versé de trop. Mais, oh, ça, c'est du grain très fin. Oh, ça sent... Oui, ça sent le miel. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le grain. C'est un grain très, très fin. Et à mon avis, ça doit être hyper, hyper, hyper agréable à faire sur le visage. Bah, tu sais quoi, Emma, je vais tester ce soir. Bon, là, j'en profite pour gommer ma main. En même temps, comme ça, je vois. Vraiment, c'est un gommage très léger, très, très, très fin. Les grains sont vraiment légers. Et ça sent mais super bon. J'adore le miel. Donc, c'est une odeur que j'aime particulièrement en termes de soin. Donc, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a une texture un peu... un peu grasse, donc ça fait, c'est-à-dire que c'est hydratant, c'est pas asséchant, et ça, je pense que ça va pas laisser une peau sèche et qui tire après ça en fait. Donc à mon avis, ça doit être un vrai bonheur à appliquer sur le visage, parce que déjà sur la main, je vais rincer parce que pour vous dire un peu ce que ça donne. Alors, oui, c'est ce que je pensais, ça me laisse un... Ça laisse pas un film gras. La serviette. Ça laisse la peau toute douce et toute parfumée. Bon, après, c'est sûr que je vais essayer de trouver la crème hydratante qui va avec. Il y a forcément une crème hydratante. Je vais essayer de voir en format voyage ou en échantillon pour tester. Parce que j'aime beaucoup, l'odeur. Ça laisse la peau. Bon, là, j'ai pas les mains en ce moment sur le dessus des mains très rêches. Mais là j'avais des petites peaux minces, fallait que je le fasse et souvent moi j'achète pas forcément des gommages pour les mains, je prends mon gommage visage ou corps quand le grain est pas trop épais, trop épais pour être gros, et je m'exfolie les mains comme ça avec des gommages comme ça, et du coup, et là il y avait des petits, un petit peu, bon, la peau est douce, elle tire pas. Parce que souvent, si vous avez un produit trop abrasif, ça tire même sur les mains. Hein. Pourtant, la peau est moins fine que pour le visage. Mais c'est très, très agréable. Emma, c'est bingo. C'est bingo, vraiment. Ce produit, donc je ne sais pas si vous allez voir un peu l'arrière, comment c'est joli. On va dire des... Enfin, l'arrière. Le haut du tube, tout ça. Ça me fait penser à ce qu'il y a à l'intérieur des ruches d'abeilles. C'est trop joli. Et vraiment, je vais tout de suite aller voir ce qu'il y a comme produit dans cette marque. Je ne connais absolument pas, mais j'adore tout de suite. Emma, je tenais à faire un petit retour sur la crème. Franchement, c'est comme
C'est une routine en fait, c'est à faire matin et soir et pas entre. Que j'ai, moi, ce que j'ai comme crème, des fois j'en mets 3 fois par jour quand je suis chez moi. Et là, bah, du coup, c'est matin et soir sur pied propre et sec. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Là, je vais commencer, je vais sûrement faire le masque qui fait peler les pieds de chez Action ce soir, si j'ai le courage. Comme ça, je vais avoir les pieds qui vont peler durant mes vacances et pas après. Et que pour le karaté, ben, j'aurai pas des pieds bizarres, tout dégueulasses, avec de la peau qui pèle. Et effectivement, quand on commence à faire ses soins de pied, on continue parce que c'est vrai que ça entretient un beau pied. Enfin, j'ai pas des beaux pieds, j'ai des pieds très moches. Mais avec une peau saine, on va dire. Voilà, qui fait pas dégueulasse. Et avec le karaté, j'ai souvent des pieds très moches. Et surtout en ce moment, j'ai essayé plein de crèmes et comme j'ai l'impression que ça fait plus effet. Donc j'ai hâte de voir sur le long terme cette crème Emma. Et ce gommage, je te tiendrai au courant également, ce que si j'ai apprécié au niveau du visage, j'en suis sûre que ça va me plaire. Et si j'ai trouvé bah, la crème hydratante qui va avec ou autre, je verrai. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour la vidéo du jour numéro 20. Je ne sais pas quand elle va être postée, si je l'avais à poster demain ou après-demain. Comme demain, a priori, je finis de bonne heure, mais il y a toujours un mais. Ça se pourrait que je finisse tard et que je ne passe pas par la maison. Du coup, ça veut dire que je ne pourrais pas tourner la vidéo du 20. Mais c'est pas sûr. Donc peut-être une surprise de la vidéo du jour 20 ou vendredi, jour 20 et 21. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Emma, encore merci. En tout cas, je mets son lien de chaîne dans la barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas Emma. Mais voyons, comment ça, vous connaissez pas Emma? Allez la voir. Oui, elle est super, elle fait de super vidéos. Et moi, je vous fais plein de bisous. Bye bye.